L'Afrique reste attractive selon le patron du patronat français, M. Pierre Gattaz. Face aux 40 pays africains et 30 ambassadeurs, le MEDEF a déployé son programme 2018 en Afrique. Faut-il souligner que c'est le business, certes, mais il faut se la jouer impérativement collectif. L'Afrique est un continent formidable en devenir, qu'il faut l'aider à accompagner son envol économique, que l'Afrique va passer de 1 milliard à 2 milliards d'individus, il faut absolument créer de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, ce sont les entreprises qui peuvent le faire. Et donc, il faut pousser à l'entrepreneuriat. Chaque année, 30 millions de jeunes africains arrivent sur le marché de l'emploi. Créer les entreprises en Afrique, c'est aussi informer et former pour les opportunités d'affaires. J'ai un exemple que je voulais citer, qui est celui qui a été mené par Philippe Gauthier sur le Congo-Brazzaville avec la Banque mondiale en partenariat avec le patronat local Unicongo, qui est une opération particulièrement exemplaire. Au total, combien de projets ? 21 projets qui ont été finalisés pour l'instant sous la forme de business plan pour la création d'entreprises communes locales fin novembre. Dans ces projets, on a des projets agricoles, on a des projets dans le transport, la logistique, on a des projets aussi dans la maintenance industrielle. On le dit diversement, chacun avec ses mots, le New Deal en business aujourd'hui reste dans le respect des engagements.